Les beaux jours approchent à grands pas et l'activité des aéroclubs bat son plein à Persan-Beaumont. C'est le moment redouté par les pilotes de se confronter aux premiers thermiques de printemps. Peut-être que vous m'imaginez en ce moment même en train de me bagarrer avec les orages, volant à des altitudes quasi stratosphériques, probablement à court d'oxygène. Et c'est sans aucun doute ce que je serais en train de faire si je ne passais pas le plus clair de mon temps à rêvasser. Oui, car allongé dans l'herbe et bercé par le ronron d'Ali Cumming, la relecture de La Folle Équipée de Patrice Franceschi prend un parfum tout à fait particulier. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Patrice il y a quelques temps, et je vous invite à revenir sur cette histoire hors du commun. Enfin, si j'arrive à me relever. La Folle Équipée, la tentative de faire 40 000 km autour de la Terre, ou à peu près, c'est-à-dire un tour du monde de la planète en ULM, elle naît au moment où, dans les années 80, arrivent les premiers ULM en France. À l'époque, moi, je suis pilote, et ces trucs-là m'intéressent parce que c'est peut-être une autre manière de voler, de piloter, et surtout d'utiliser l'aviation dans un domaine qui est celui de l'aventure. J'ai voulu faire ce tour du monde en ULM d'abord et avant tout pour accomplir une grande première dans le domaine aéronautique. Il s'agissait pour moi de réussir quelque chose que personne n'avait jamais fait, et ainsi, en quelque sorte, de relever un défi de l'aventure de l'homme et de la machine. À travers ce rêve, je voulais retrouver l'esprit pionnier des premiers temps de l'aviation. Beaucoup de pilotes à l'époque, entre un bel avion, un gros truc, et ces petites libellules qui tombent en panne avec des moteurs de temps, méprisaient un peu ça. Moi, je me suis dit, allons piloter ça, on va voir, soyons simples. Premier point, c'était beaucoup plus difficile à piloter qu'un avion léger, par exemple, parce que c'est encore plus léger, c'est moteur qui tombe en panne, l'aérologie qui joue à fond là-dessus, c'est pas très solide, forcément. Mais surtout, je m'aperçois que les distances de décollage et d'atterrissage, étant ce qu'elles sont, ça peut devenir un outil d'aventure extraordinaire. Avec ça, on peut se poser à peu près n'importe où, donc ça m'intéresse. Puis il me vient l'idée un soir, comme ça, je ne sais plus quand, tout le monde disant que ces ULM, c'était de mauvais avions, en quelque sorte, de mauvais aéronefs, et bien lui faire faire un tour du monde. Les grands défis, j'ai même pas 30 ans, je trouve ça génial. En fait, toujours l'idée de ne pas mettre ses pas dans des routes déjà tracées, de sauter hors des rails et des sentiers battus pour faire autre chose. On va faire le tour du monde avec un ULM, montrer que ça peut faire 40 000 km autour de la Terre, mais quel appareil? Comme j'étais déjà pilote, un trois axes. On va simplifier les choses. Et après, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait à l'époque, on est dans les années 81-82. Et honnêtement, quand je fais le tour de tout, je pilote différentes machines, je tombe à un moment donné sur le Sirocco, dans le sud, Aviasud Engineering, ça s'appelait, avec deux gars qui avaient tout innové là-dessus. Mais c'était vraiment... comme ce n'était pas des vrais aéronefs, il n'y avait pas tous les tests, les machins, etc. Ils iront à combien tes ailes, etc. On s'est suspendu, bon, ben ça tient, voilà, bon. En voltige, on ne fait pas comme ça. Hein. Mais ça me semblait le plus adéquat, tout simplement parce que je pense qu'en 1984, quand je suis parti, c'était le meilleur type d'ULM 3 axes que l'on fabriquait. En plus, il a été beau, il me plaisait. Quand j'étais dans le poste de pilotage, ben, j'avais pas plus de place que ça. Petite derrière là, le ciel tout entier ici. Je vole avec, il me plaît bien. Je dis on le fait. Et c'était un appareil de série. Mais hormis le renfort en époxy qu'on a mis là, de mémoire, hein, on n'a touché à rien. Vous savez, dans ce genre d'aventure, mais comme dans toute aventure, le premier ennemi, c'est pas la nature. Finalement, la nature, surtout en l'air et sur mer, et même sur terre, elle est claire. Si on connaît les lois de la nature, on peut jouer avec. Elles sont implacables souvent, mais elles sont justes. Elles n'ont pas d'ennemis ou d'amis. Elles s'appliquent. Comme 1 plus 1 égale 2. Si vous les connaissez, vous pouvez les maîtriser, jouer avec elles et... réussir. Premier ennemi, c'est l'homme. C'est pas la nature. C'est celui qui veut vous empêcher d'être, qui veut vous empêcher de faire.
et pour des milliers de raisons. Raison pour laquelle j'ai eu bien plus de problèmes avec ce que construisent les hommes en général, ce qui s'appelle l'administration, la bureaucratie et tout ça, qu'avec la nature elle-même. Eh bien, comme d'habitude, hein, j'arrive en Grèce, on pourrait penser qu'arriver dans la CE, il n'y aura plus de problème, c'est le 33e pays pour lequel il faut demander l'autorisation de survol, bon, via l'ambassade et tout, et puis enfin, le consulat de France. Et alors que je pensais avoir une bonne surprise en arrivant en Europe, c'est-à-dire, bon, pas de problème, les problèmes continuent, quoi. Je crois que sur les 2 années et demie du Tour du Monde, 909 jours, j'ai dû en passer 1 année et demie à terre, à régler ces problèmes. Parfois des problèmes douaniers, comme en arrivant au Bangladesh. Les ULM sont sur aucune nomenclature, ça ne peut pas rentrer dans le pays. Il faut trouver une solution, 58 jours de travail. Mais bas les pattes pour ce genre de choses qu'il a fallu subir. Ce qui était important, ça a été les vols eux-mêmes. Quelle merveille de survoler la Terre tout entière à basse altitude. Quel camailleux et kaléidoscope du monde et les peuples du monde rencontrés. Et en fait, j'ai pas probablement fait le tour du monde en ULM, mais plutôt le tour des peuples du monde avec un ULM. Et quand avec un ULM, et ça c'était la grande récompense, vous atterrissez au milieu d'un village sénégalais, partout, c'est une plage, etc., dans une rizière en Inde et tout, une cour de jardin au Maroc, vous êtes directement en contact avec les gens, vous tombez du ciel littéralement, et il se passe plein de choses humaines extraordinaires à ce moment-là. Quand je me posais sur les pistes au Brésil, les chercheurs d'or qui étaient là, mon problème était de trouver de l'essence, l'autonomie. Et les seuls terrains d'atterrissage, c'était les pistes, d'orpailleurs et autres, c'est de la terre. Alors les atterrissages, c'était terrible parce que quand j'étais dans un coin, j'attendais que les chauffeurs de routiers, etc., sur les pistes qui arrivaient pour demander où est-ce qu'il y a un endroit, quand même plus que 10 mètres de large au milieu de la forêt. Vous avez jamais ça. Vous avez jamais vu? Nunca. Le premier ultralève qui vient pour acá et qui pousse à la estrada. Bon, alors, là pour l'instant, on est dans l'état du Maragnan. C'est pas très simple parce qu'il y a une grande route qui traverse cette sorte de savane, de forêt. Alors, pratiquement, on peut se poser que sur cette route. Il y a 2-3 petits terrains de secours d'urgence, là, comme les appellent les Brésiliens. Mais là, je me suis posé ici. Et à quelques kilomètres, je sais qu'il y a une station d'essence. Alors, je vais aller d'une manière ou d'une autre à la station d'essence. Gasolina normale, eh? No, alcool cool. Tiene exactamente 5 litros mais 0,13. Para fazer a mistura com outra gasolina. Entende? Tudo bem. Je partais le matin. Je ne savais pas ce qu'il y avait devant moi. C'était la mousson en Inde, c'est là où je me suis perdu au-dessus, en arrivant vers Calcutta, au tombé sur des cumulonimbus partout, faufiler en dessous, il y a la pluie dans la gueule, vous ne voyez plus rien, des rizières, puis au bout d'un moment, à force de tourner dans tous les sens pour échapper aux éléments de la nature, vous ne savez plus où vous êtes. Il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Et puis après, il n'y a plus de carburant, il y a des rizières. Il faut se poser dans une rizière, essayer de casser le moins possible. On casse un petit peu, on va rester 15 jours. Il faut tout réparer au bout du monde, avec l'aide des gens qui sont là. Une autre aventure humaine. Hier, il y a eu un petit malentendu. Pas entre elle et moi, mais entre les gens qui sont ici autour de nous et puis moi. Et puis dans l'atterrissage, j'avais pas été prévenu qu'il y avait un canal d'irrigation, enfin de déblaiement des eaux, en béton, plus d'un mètre cinquante de profondeur. Et puis en arrivant en bout de piste, je suis tombé dedans. J'ai des relations très bizarres avec mon ULM, avec sa petite machine. C'est presque freudien. C'est à la fois de l'amour et de la haine. C'est de l'amour parce que vraiment j'aime cette machine, parce que des fois elle me sort de pétrin où je me dis c'est grâce à elle que on a passé cette difficulté, cet obstacle.
Et puis des fois de la haine, parce que je me dis, bon, sans elle, je serais pas là. Ou elle a refusé de faire vraiment ce que j'aurais voulu. C'est très bizarre. On ne peut pas de toute façon vivre 2 ans et demi avec une machine comme ça sans l'humaniser un petit peu aussi, quoi. Sans lui parler. Quand je survolais l'Amazonie, par exemple, je lui parlais carrément. Je disais, il ne faut pas que le moteur s'arrête maintenant, quand tu veux, plus tard. Mais pas au-dessus de la forêt, sinon, catastrophe pour tous les deux, ça va pas aller. Et aujourd'hui, cette ULM est au musée de l'air du Bourget, du musée de l'espace du Bourget. Donc c'est un immense honneur, évidemment, qu'il se retrouve après avec les avions de Guynemer et des autres. Là, par exemple, quand il est rentré au musée de l'air, des amis m'ont aidé, il était pas en très bon état, à le remettre en bon état, je les en remercie. Parce qu'ils aimaient cet appareil puis cette aventure. Et en le retrouvant à ces moments-là, et surtout quand il est rentré, d'abord on l'a mis dans les réserves la nuit musée de l'air, avant son exposition, il y avait mon fils s'est mis dedans, on a fait des photos, et je me suis retrouvé moi-même dedans à ce moment-là, en me disant quand même, on l'a fait. C'est l'affolement des souvenirs qui revient, putain, mais en fait, là je me dis que, quand même, j'aurais pas dû revenir à plein de fois, quoi. Et donc, je le revois comme étant finalement l'appareil qui m'a sauvé, quoi. Dans la grande histoire de l'ULM, le Sirocco restera éternellement associé à Patrice Franceschi. Ce premier tour du monde fut une prouesse. Mais comment revient-on d'une telle aventure ? Alors, de ces 2 années et demie d'aventure autour du monde en ULM, je suis rentré sur les rotules, hein. Épuisé. Physiquement, c'était... quand je me suis posé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, ils ont bien voulu me faire l'honneur d'une belle arrivée. Oui, j'étais sur les rotules totalement. Et ça fait quelques centaines d'heures de sommeil en moins, là. Mais ça va. Là, je vole encore, là. Tu as compté les heures de vol ? 590 et quelques. Donc il y avait la satisfaction d'avoir réussi le défi. Une insatisfaction inimaginable d'avoir dû subir, de comprendre comment le monde n'était pas aussi libre que je le croyais. Pas d'amertume pour la bureaucratie que j'avais dû supporter, mais une inquiétude pour mes enfants. Dans quoi ils allaient vivre? Dans quelle cage ils allaient exister? Tellement les libertés se rétrécissaient, tellement je sentais que le filet se resserrait pour nous empêcher d'être nous-mêmes, d'être libres, même de disposer de notre existence comme on le veut. Donc il y avait cette conscience des choses qui m'attristait. Mais alors à quoi bon ? À quoi bon risquer sa peau, braver tous les dangers, si la conclusion de ce voyage est le constat de la fin de nos libertés ? N'aurait-il pas mieux valu rester bien au chaud, blotti dans une ignorance confortable ? Il y a une grandeur dans les choses que l'on peut accomplir, une grandeur des actes que l'on fait qui grandit l'homme qui les fait. Et si c'est collectivement, grandit collectivement une communauté. Les aventures collectives, c'est ça en même temps. En fait, l'aventure n'a d'intérêt que si elle permet de sortir de la vie meilleur qu'on y est entré. C'est un but, c'est une quête, c'est quelque chose, donc c'est un peu mystique, c'est même métaphysique, mais c'est ça qui est intéressant. Grandir, accepter de grandir, ce serait donc ça le sens de l'aventure. Pas étonnant de retrouver les livres de Franceschi tenir une bonne place dans la bibliothèque de Sylvain Tesson. Moi j'aime bien passer à côté des livres et puis on les entend murmurer. Franceschi. Vous les entendez murmurer ? Oui, j'entends les livres qui murmurent, quoi, parce que je sais ce qu'il y a dedans, je les ai lus et je me souviens de phrases magnifiques, je sais exactement où sont les choses que j'ai notées. Jean-Louis Etienne, encore Franceschi. Les aventuriers savent se reconnaître. Et l'ULM dans tout ça ? L'ULM m'a servi aux rencontres humaines un peu partout dans le monde et ça a été finalement la plus belle des récompenses, en plus du spectacle extraordinaire du monde. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Donc faire ces quelques milliers de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres, avec juste un compas, la montre et la carte, avec le vent dans la gueule, il pleut, on est mouillé, il fait chaud, on a chaud, il fait froid, on a froid. Finalement, les ULM étaient les derniers avions qui avaient absolument besoin de leur pilote, avant la robotisation de tout ça, et où ils nous faisaient hommes vraiment. Comme la charrue du laboureur fait vraiment le laboureur, et les grands voiliers sur les mers font les vrais marins. Voilà, c'était en ce sens-là, au-delà d'une aventure technique, une aventure humaine. Oui, comme Patrice Franceschi, j'en étais convaincu. L'ULM resterait un formidable outil d'aventure. Mais plus que la machine, il fallait nourrir l'esprit d'aventure.
En ce qui me concerne, je reconnais que j'avais passé trop de temps ces dernières années, caché derrière ma caméra, à raconter à ma manière les aventures des autres. J'avais non seulement vieilli, mais je m'étais empâté. Il était donc venu le temps de raconter ma propre histoire. Mais en aurais-je le courage? Je considérais Franceschi comme un surhomme. Alors peu importe, de toute façon c'était maintenant ou jamais. Il y avait cependant quelque chose qui ne collait pas. Vous savez à quel point j'aime le MCR, une machine puissante qui donne la sensation de fendre l'air. C'est un excellent avion, mais en rien une machine taillée pour l'aventure. Non, il fallait accepter de s'exposer à la peur, la fatigue, le froid, le vent, le vide. Je voulais vivre l'aventure de la manière la plus intense qui soit. Mais avec quelle machine? J'avais bien une petite idée, mais il y avait aussi une petite voix dans ma tête qui me disait « Non, Christophe, non, 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 non. » Alors j'ai décroché mon téléphone.